Si tu as un iPhone qui affiche le message iPhone limité au propriétaire, alors cette vidéo c'est pour toi. On va aller droit au but. Avant de commencer la vidéo, laisse un like et si tu es nouveau sur la chaîne, alors clique sur le bouton s'abonner, ensuite touche la petite cloche de notification. Si tu es intéressé par les formations, à la description de cette vidéo, il y a deux formations. La formation en bypass iCloud et la formation en déblocage officiel qui t'attendent. Alors clique maintenant si tu as envie d'apprendre comment débloquer un iPhone et on commence le tutoriel juste après le générique. Hello, like, subscribe. Tu as besoin de trois choses pour réaliser ce que je vais faire dans cette vidéo. Ceci, c'est un déblocage à distance dont tu peux faire ça chez toi sans aucun problème. Donc, premièrement, tu auras besoin d'un câble pour pouvoir connecter ton appareil. Donc, tu auras aussi besoin de ton appareil. Ensuite, tu auras besoin d'un PC. Tu as le choix entre un PC Windows ou encore un PC macOS. Donc, si tu as un PC qui utilise le système Windows, alors je vais te montrer comment ça se passe parce que actuellement, je vais aller là derrière et nous allons le faire sur notre PC Windows. Et aussi un peu de temps pour suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oublie surtout pas de laisser un like et partage cette vidéo à une personne que tu vois qui a un iPhone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Avant de commencer le tutoriel, je tiens aussi à vous rappeler que cette méthode, ça marche pour les iPhones qui ont déjà iOS 18.5. Si ton iPhone a une version comme iOS 18.6, alors ça ne marchera pas. Après ce déblocage, tu ne pourras pas émettre des appels. Donc, tu ne pourras pas utiliser la fonctionnalité des appels. Mais sauf que tu pourras utiliser toutes les autres fonctionnalités d'un iPhone normalement, c'est-à-dire mettre ton compte iCloud, utiliser iMessage, faire envoyer des SMS avec WhatsApp et toute autre chose qu'un smartphone peut faire, à l'exception du fait que tu ne pourras pas utiliser la carte SIM. Donc, tu peux utiliser le Wi-Fi pour te connecter. Si ça t'arrange, alors voici les étapes à suivre. Pour la première étape, tu vas ouvrir ton navigateur. Une fois là, tu vas venir sur ce site. Une fois sur le site, voici la version qui va marcher pour les XR en montant jusqu'à iPhone 16 Pro Max. Donc, on va sélectionner ceci. Une fois ici, on va appuyer là afin de télécharger le logiciel. Une fois le logiciel téléchargé, si on te dit ça, ce n'est pas un problème. Tu vas tout simplement venir dans les téléchargements. Une fois dans téléchargement, tu vas venir dans options et puis tu vas appuyer sur télécharger. Une fois là, tu vas appuyer sur télécharger. Donc, rassure-toi aussi d'avoir désactivé ton antivirus. On va maintenant aller dans les téléchargements pour extraire le fichier. Voici le fichier, on va appuyer pour extraire. Et puis, on va appuyer là afin de l'extraire. Il y a un autre tutoriel sur ma chaîne qui te montre comment est-ce que tu vas pouvoir installer l'application sans aucun problème et l'ouvrir afin de l'utiliser. Donc actuellement, voici le fichier qu'on a déjà extrait. Donc on va ouvrir le fichier. Une fois dans le fichier, vous allez voir, voici le logiciel. On va double-cliquer afin d'exécuter. Ok, vous avez vu avec moi que l'application iRemoval Pro ne fonctionne pas sur mon PC. Donc, je ne sais même pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas. J'ai essayé de faire tout. J'ai réinitialisé les drivers. Et c'est comme ça qu'un abonné m'a aussi parlé de ça. Moi, j'ai cru que c'était un truc qu'il fallait juste désactiver l'antivirus et ça devait fonctionner. Donc, du coup, on va plutôt utiliser une autre application. Ici, on va utiliser l'application Mina sur Windows. Il y a aussi l'application Mina sur macOS. Donc, je vais vous laisser tous les liens de ces applications à la description de cette vidéo-ci. Donc, allons maintenant et on télécharge l'application. Je vous montre comment ça se passe. Vous allez vous rendre sur ce lien. Donc, je vais laisser le lien à la description de cette vidéo. Rejoignez ce groupe Telegram. Une fois là, vous allez tout simplement venir là et chercher l'application. Donc, on a l'application pour Mac qui est là. Et maintenant, voici l'application sur Windows que nous allons télécharger tout de suite. Donc, on va aller et on va télécharger. Pour télécharger, vous connaissez déjà, on vient là. On appuie pour télécharger. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé et j'ai extrait. Donc, voici, j'ai extrait. Tout comme l'application iRemoval Pro. Maintenant, on va venir là et on va double-cliquer pour ouvrir notre application. Comme vous voyez, ça s'ouvre sans aucun problème. Donc, cette application est plus stable. Et voilà, maintenant, une fois terminé, voici notre appareil qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. On se rassure qu'on est connecté au Wi-Fi. Donc, actuellement, je suis connecté au Wi-Fi.
Donc, ce que je vais faire, c'est très simple. On va tout simplement connecter notre appareil. Une fois connecté, alors les informations de l'appareil vont apparaître ici. Donc, si on appuie là maintenant sur activer, il faut qu'on appuie pour vérifier si notre appareil est compatible. Voilà, comme vous pouvez voir, on nous dit que notre appareil est compatible et il va falloir faire l'enregistrement. Et maintenant, pour faire l'enregistrement, c'est très simple. On va copier le numéro de série. Vous devez copier ceci. Ça, c'est le numéro de série. Et vous nous contactez sur WhatsApp si vous voulez qu'on fasse à votre place. Et voilà les prix si vous voulez qu'on fasse. Mais si vous voulez le faire vous-même, alors voici ce que vous allez faire. Vous allez ouvrir votre navigateur et puis vous allez vous rendre sur ce site. Donc, voilà le site. Une fois sur le site, ce qu'on va faire, on va créer notre compte. Donc là, ça nous demande de nous rejoindre le Telegram. Donc, on va venir maintenant, là, on va appuyer sur « Register » pour créer un compte. Ici, on va entrer nos informations, c'est-à-dire le prénom, le nom d'utilisateur. Et là, on va entrer tout simplement le mot de passe. Donc, la création du compte, je pense que c'est assez facile. Et puis, on va appuyer là pour s'enregistrer. Maintenant, moi, j'ai déjà le compte, donc je vais aller et je vais plutôt… Maintenant, je vais me connecter avec mes informations. Une fois connecté maintenant, on va venir là et on va aller dans les services. Donc, voici les différents services que propose le site. Donc, on va aller dans email service, c'est ce qu'on a besoin. Une fois dans email service, ça c'est un iPhone SE deuxième génération. Donc, on va chercher le SE deuxième génération. Voici le SE deuxième génération. Si on appuie sur SE deuxième génération, alors voilà le prix. Donc, c'est assez moins cher comparé à mes prix. Maintenant, comment on fait l'enregistrement du numéro de série avec ce serveur? Donc, on va venir et on va appuyer d'abord pour ajouter le crédit. On appuie sur Add Phone. Une fois ici, on a la possibilité d'entrer un minimum de 10$. Donc, si on veut recharger le compte, par exemple, de 60$, on va mettre 60. Et maintenant, on va appuyer là afin de sélectionner le mode de paiement. Puis, on va appuyer sur Add Phone. Et maintenant, une fois ici, on va sélectionner avec quel mode de paiement on veut payer, soit le USDT TRC20 ou encore le USDT BEP20. Donc, je vais sélectionner le BEP20 et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser Mobile Money pour payer. Lorsqu'on appuie là, on a la possibilité de changer la langue. On peut appuyer là pour changer la langue ou alors continuer avec la même langue. Donc, si vous avez Binance, alors vous pouvez sélectionner là le mode de paiement Binance. Et maintenant, ici, vous allez devoir copier le lien. Vous allez juste appuyer là pour copier le lien de l'adresse. Rassurez-vous. Et maintenant, pour ceux qui veulent payer le mobile. Et maintenant, pour ceux qui veulent payer ceci par Mobile Money, alors on a les plateformes comme Easy Exchange. Je vais laisser le lien du site directement à la description de cette vidéo-ci. Une fois sur le site, je vais tout simplement appuyer pour me connecter. Donc, si vous êtes nouveau, alors vous pouvez cliquer sur s'inscrire pour vous inscrire directement. Mais moi, j'ai déjà un compte ici. OK, voici le site là où on peut acheter la crypto-monnaie avec Mobile Money. Vous pouvez aussi aller et acheter avec Binance, avec votre carte bancaire. Donc, vous allez vous créer un compte Binance. Ou encore, vous pouvez utiliser le Coinbase. Donc là, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer exactement comment ça se passe. Sinon, je vais mettre comment acheter de la crypto-monnaie avec votre Mobile Money directement à la description de cette vidéo avec le site de Easy Exchange. Donc ici, dans Easy Exchange, ce qu'on va faire, on va venir ici, on va choisir le mode de paiement. Donc ça, c'est le premier mode de paiement. On peut payer par MTN ou encore Orange Money si on est au Cameroun. Donc là, si je cherche, j'appuie peut-être avec MTN Money et maintenant je vais recevoir quoi? On va chercher le USDT, rassurez-vous, USDT, et ici on va chercher l'adresse qu'on a pris. Donc ça c'était le BEP20, donc voilà le BEP20 qu'on a sélectionné. Donc on va se rassurer en venant sur le site. Voilà, ça c'est le BEP20, donc on va copier maintenant ça. Ensuite on va retourner ici
Et puis, on va entrer l'adresse. Donc, voici l'adresse ici en bas. On va coller l'adresse ici. Une fois collé, on va maintenant venir sur la somme qu'on va envoyer. On copie aussi la somme. Il faut copier exactement ce que vous voyez là. C'est très important. Et puis ici, on va coller la somme. Et voilà. Donc, lorsque vous allez coller comme ceci, alors ça va vous mettre le prix directement en haut. Comme vous pouvez voir là, et pour payer, on appuie tout simplement sur suivant. Et ici, on va entrer le numéro de la transaction. Donc, on entre le numéro de la transaction ici, puis on clique sur payer. Directement, lorsqu'on va appuyer sur payer, alors je vais recevoir une notification qui me permet tout simplement de valider la transaction et le compte sera chargé. Une fois le paiement effectué, alors là, la recharge a été validée. Donc, on est à 60$ là. Maintenant, on va aller sur Place Order et puis on va cliquer sur Place Email Order. Une fois là, on va tout simplement venir ici. On va écrire iPhone SE. Donc, vous allez voir, il y a deux services, notamment le service de iRemoval Pro. Et maintenant, on a le service de Mina. Donc, on va sélectionner Mina. Que ce soit le SE2 ou encore SE3, c'est les mêmes prix. Donc, on va tout simplement appuyer là. Voilà. Et maintenant, ici, on va entrer l'email du téléphone. Pour avoir l'email du téléphone, alors voici l'email du téléphone. On va tout, je sais pas si on peut sélectionner. Donc, on peut pas sélectionner avec cet outil. Donc, je vais plutôt utiliser l'application 3U Tools pour copier le numéro de série. Maintenant, je vais venir là et je vais copier l'email du téléphone. Et puis, je vais venir dans ici. Je vais plutôt coller l'email du téléphone. Et voilà l'email qui a été collé avec succès. Maintenant, on va appuyer sur Place Order. Lorsqu'on appuie sur Place Order, alors vous allez voir ici, on va dire Order Received. Ou vérifier si l'enregistrement a déjà été fait. Alors, on va venir dans Order et on va sélectionner Email Order. Donc, vous pouvez traduire ça en français pour mieux comprendre. Et ici, on va tout simplement voir les informations de ce que nous sommes en train de faire là actuellement. L'enregistrement, on est en train de dire Waiting for Action. Donc, maintenant, on va juste patienter et l'enregistrement sera effectué. Une fois l'enregistrement effectué, alors vous allez voir ici, on va dire success, ça signifie que l'enregistrement a été effectué avec succès. Une fois l'enregistrement effectué, donc on va se rassurer qu'on est connecté au Wi-Fi et que la connexion passe normalement. Et maintenant, on va venir tout simplement et appuyer ici sur activer. On appuie tout simplement sur activer et maintenant, on va tout simplement patienter, le logiciel va faire le travail.
pouvez le voir, le déblocage a été effectué avec succès. Maintenant, notre iPhone va redémarrer pour la dernière fois. Et voilà, notre smartphone est opérationnel maintenant. On peut l'utiliser, on peut mettre un nouveau compte iCloud à l'intérieur. On peut utiliser un mode Wi-Fi parce que actuellement le réseau ne va pas fonctionner si on met la carte SIM. Alors on va dire, là actuellement on dit SIM indisponible, mais si on met la carte SIM, ça va lire la SIM, mais sauf qu'on ne pourra pas y mettre des appels. Voilà, nous avons réussi à débloquer notre iPhone SE deuxième génération. Je tiens juste à vous rappeler que ceci, ça marche pour tous les appareils Apple à partir des iPhone XR jusqu'à iPhone 16 Pro Max. Si ça vous intéresse, alors suivez tout simplement ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Ça va marcher sur votre PC Windows. Et aussi, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Et si vous avez envie de faire le déblocage officiel, alors cliquez ici afin de faire un déblocage qui permet de faire un déblocage permanent avec réseau et tout fonctionnel. Et pour ceux qui veulent utiliser plutôt un autre logiciel avec le code de promo sous le kit 237, alors cliquez tout simplement sur cette vidéo et on se retrouve à la prochaine. Merci d'avoir regardé celle-ci.